sont ici.1982, l'année des records cinématographiques et une des plus fortes dans le genre que sont le fantastique et la science-fiction. C'est aussi l'année Steven Spielberg impressionnant le monde avec son E.T. et ce Poltergeist qui sort à une semaine d'intervalle et dont Spielberg a écrit le scénario mais ne peut le réaliser à cause d'une clause de son contrat chez Universal, le film Poltergeist étant chez MGM. Il est quand même tellement intéressé qu'il va s'impliquer comme jamais sur le tournage, nous y reviendrons. Pour beaucoup, l'horreur est en perte de vitesse, hein, avec la suite de L'Exorciste, L'Hérétique de John Boorman, ou le dernier volet de La Malédiction, où seule la découverte de Sam Neill et la musique de Jerry Goldsmith nous sortent de l'ennui de ce dernier film, La Malédiction finale. Les gens de la télévision ? Le slasher est aussi à la mode, hein, en remplacement du film d'horreur classique, mais Halloween 2 déçoit le public malgré son succès, et seule la 3D fait venir les gens un petit peu en salle pour voir les nouvelles aventures de Jason dans Meurtre en 3 dimensions. C'est avec ce Poltergeist que notre tonton Spielberg, comme il sait si bien le faire à l'époque, va nous faire rêver encore une fois avec ce mélange habile entre horreur, humour et émotion, le tiercier gagnant. Un film spectaculaire en plus, hein, grâce aux effets spéciaux de la bande à Lucas, ILM. De plus, le film est accessible à tous, la magie fonctionne et la terreur est bien là. Alors brisons la glace de suite sur le sujet qui divise beaucoup et parlons de ce qui intéresse tout le monde. Est-ce vraiment Toby Hooper qui a réalisé le film ou bien Steven Spielberg ? Officiellement, c'est bien sûr Toby Hooper, point de doute là-dessus. Le film est signé sous son nom. Le film sort lui de l'imagination, alors extrêmement productive, de Steven Spielberg par contre, qui conçoit l'histoire et en écrit le scénario d'après celui de Mark Victor et Michael Gray, mais dont on ne gardera que celui de Steven. Au départ, le film s'appelle Nighttime et peu de variations existent entre le premier et le dernier scénario. En gros, une famille installée dans une banlieue de Californie et envahie par des fantômes maléfiques, des poltergeists, qui vont aller jusqu'à enlever la plus petite enfant de la famille. Scénario qu'il présente à Frank Marshall sur le tournage des Aventuriers de l'Arche Perdue. Spielberg va donc en superviser la production de très, mais vraiment de très près, tellement près d'ailleurs que photos et images le montrent diriger la caméra et les plans, avec un Hooper effacé derrière, hein, voire superviser même les effets, quitte à s'y salir les mains. He says, oh my God, how's that happening? And so he says, I want to see it, I want to see how that's done. And so he goes around behind, he sees the keyboard and he says, oh man, I want to play this thing, you know, so dum, 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 dum. So it was a play date for Spielberg, as numbers of play dates he would come to ILM to have fun, I think. Poltergeist est réalisé en même temps qu'E.T., ce qui est proprement hallucinant quand on voit la qualité des deux films, et le Steven va tranquillement passer de plateau à plateau, diriger les acteurs, certains plans et les effets. Maman, ça brûle. Tout Spielberg est dans E.T. mais aussi dans Poltergeist, ne nous y trompons pas. De la photographie à la manière de faire le film, l'illusion ne trompe personne. Toby Hooper, bien que talentueux, n'a jamais réussi à nous donner un film d'horreur aussi beau esthétiquement, ni avant ni après. Steven déclarera officiellement, mais j'expliquerai pourquoi plus tard, que Toby n'est pas le genre d'homme qui prend en charge. Si une question se posait et que la réponse ne la suivait pas immédiatement, il avait l'habitude d'intervenir Spielberg afin de proposer des solutions. Toby acquiesçait d'un signe de tête, voilà comment est né le processus de collaboration selon le producteur Starr. «
Autant dire qu'il a tout fait. La Directors Guild of America ouvre même une enquête, voire critique en fin de vidéo. Frank Marshall déclare au Los Angeles Times que c'est Spielberg la force créatrice du projet, que tous les storyboards sont de lui, sauf quand il part en vacances à Hawaï avec George Lucas, mais que Toby Hooper est tous les jours sur le plateau. Spielberg écrira une lettre ouverte dans le Hollywood Reporter, mais par obligation, en expliquant que la presse a mal compris leur collaboration et qu'il souhaite le meilleur pour la suite de la carrière de Toby Hooper. Même les acteurs se contredisent et donnent les deux noms comme réalisateurs, sauf Zelda Rubinstein qui déclarera en 2007 que Spielberg était bien derrière la caméra sur les 6 jours où elle était sur le plateau. Votre fille est toujours en vie et dans cette maison. Reste qu'après Les Dents de la Mer, hein, Poltergeist que Toby Hooper et Steven Spielberg nous offrent est une œuvre magistrale dans l'horreur et confirme l'aura spectaculaire d'un producteur hors du commun. Steven Spielberg s'approprie même le rôle de Robbie et puisque très jeune, le cinéaste avait très peur d'un grand arbre vieux et aux branches mortes, comme si celui-ci y allait l'agripper pendant son sommeil. Une fissure dans le mur de sa chambre qui l'obsédait, et bien sûr une fameuse poupée de clown au sourire cruel. J'en sais quelque chose, j'ai le même souci. Reste que la famille typique moyenne, spielbergienne et l'ambiance urbaine de l'environnement, le film est tourné sur la Roxbury Street à Simi Valley en Californie, viennent directement de la banlieue de Scottsdale en Arizona où Spielberg a passé son enfance. Cette maison a été photographiée le mois dernier. La matrice même de la famille vient de Spielberg, un père avec un emploi stable comme le sien, qui était ingénieur informaticien, et une mère qui s'occupe et des enfants et de la maison. Caroline. Caroline. C'est ce qui fait le sel du film d'ailleurs, une famille confrontée à des phénomènes paranormaux qui dépassent l'entendement. C'est la méthode du maître, des gens ordinaires dans des situations extraordinaires. Qu'est-ce qu'il y a ? En 1982, en plus, hein, beaucoup croient encore au paranormal et aux ovnis, et Poltergeist fascine grâce à cela. Les poltergeists ne sont pas des fantômes au sens propre du terme, mais des phénomènes entraînant des mouvements physiques, comme des meubles qui bougent seuls, et parfois assez violemment, mais qui cessent sans savoir pourquoi. Ce que nous voulons, c'est que vous retrouviez notre fille. Ici au départ les événements semblent presque facétieux et drôles, hein, mais vont plonger la famille dans l'horreur de plus en plus cruelle. Des scientifiques vont être appelés pour aider la famille, hein, on peut même y faire un parallèle avec le personnage de François Truffaut dans son Rencontre du troisième type, hein, du tonton Steven, et l'explication des poltergeists viendra du fait que la maison a été construite sur un cimetière sans avoir déplacé les dépouilles. Espèce de salon, vous avez déplacé les cimetières mais vous n'avez pas déplacé les corps, hein ? Espèce d'ordure ! Les esprits se retrouvent alors perdus et ont besoin d'un point d'ancrage. Ils ne comprennent pas qu'ils sont morts et cherchent un guide pour passer de l'autre côté et trouver le repos. Ce guide, c'est Caroline, la Benjamine de la famille, et le film stimule l'imagination comme jamais. Seulement voilà, à côté d'elle, il y a la bête. Une horrible présence est là-dedans avec elle. Tant de fureur. Avec un budget estimé autour de 10-11 millions de dollars, hein, le film va rapporter 122 millions et 722 000 dollars dans le monde, dont 76 rien qu'aux États-Unis. En France, ce sera 777 000 entrées. Encore une fois, tout ce que Steven Spielberg touche se transforme en or. Le film sera même nommé aux Oscars pour la musique, le montage, son et les effets que le film perdra contre E.T. de Steven Spielberg, l'homme et son propre concurrent. Trois plateaux de tournage seront donc utilisés à la MGM pour le film, pour 85% du tournage. Certains décors sont construits à 4,50 m du sol. Une piscine est aussi préparée dans le studio. C'est Jim Spencer qui est en charge de leur construction et qui travaillera plus tard sur Gremlins, L'Aventure Intérieure, Les Banlieusards et Gremlins 2 de Joe Dante, L'Arme Fatale 3 de Richard Donner ou la série Lost.
Une des chambres est donc construite en hauteur sur système hydraulique et toute la maison est un retour d'effet à l'ancienne avec un grand nombre de moments et d'effets réalisés en direct sur plateau et supervisés par Mike Wood. Richard loves scary movies and he loves creating scares. He's so great at it. He has a diabolical imagination when it comes to putting things on the screen that will scare you. Au bout des 12 semaines de tournage, c'est donc la grande compagnie Industrial Light and Magic qui va s'occuper des effets optiques. Toutes ces scènes sont bien sûr storyboardées et les effets sont sous la supervision du grand Richard Edlund avant qu'il ne quitte la firme pour créer sa propre boîte d'effets spéciaux, Boss Film. It was a great project and I was on the set every day. Richard and I got along very well. You know, each visual effects supervisor is like a mini director, and they have their team around them. We didn't have time to do any design work up front, so we walked into the movie not knowing what we were going to shoot next for visual effects. Plus de 100 effets en tout, des matte paintings superbes de Mike Pangrazio, des maquettes de la maison et des environs par Paul Houston. We made this esophagus and it was all suspended with bungee cord and all flexible pieces of rubber and all that stuff. And Paul Houston made this device with a keyboard like a piano and it caused the esophagus to undulate. Et Gary Platette qui va lui s'occuper du super orage de la séquence finale avec ses nuages menaçants qui arrivent très, voire trop vite, et réalisés comme d'habitude, comme Rencontre du troisième type par exemple, avec un bassin d'eau transparente dans lequel on verse de la peinture de plusieurs couleurs. I was reading the script and I'm coming along and all of a sudden and the house implodes. I'm thinking, that's not explode. Exploding is easy. Imploding is something else. I called Frank and I said, Frank, you know, this is a $250,000 sentence. That was. ILM va donc s'occuper de grands effets comme les éclairs dans le ciel, supervisés par John Bruno. We built a miniature of the house about 42 inches wide with a garage. And inside the garage is all the stuff that you find in a garage. It had little bicycles in the inside, it had lawnmowers, rakes. There was furniture inside the house. And it's all in this big structure. I have the camera up on the top looking down at the front of the house. And this whole mass of wires were attached to a forklift. The idea was the forklift was going to take off, and at a certain point, it's going to just pull this thing over. And I had a pair of shotguns, right? Bunce Inc. good English guns, right? The shotguns were to help it down the, into the hole, because it all had to be pulled down into this hole that was about this big. And this is a one-trick baby. I mean, to do this again would have been another 50, 60 grand or something, like, at least. Et Craig Reardon va s'occuper des maquillages avec des scènes absolument spectaculaires et horribles. Il est l'un des maquilleurs les plus jeunes et les plus doués de l'époque, 29 ans ici, grand fan du maquilleur Dick Smith. Il a déjà travaillé avec Toby Hooper sur son Crocodile de la mort et c'est donc naturellement que Hooper fait appel à lui. Reardon va confirmer que les nombreuses idées de Toby Hooper sur certains effets sont refusées par Spielberg puisqu'il est déjà très au fait de ce qu'il veut en tant que créateur de l'histoire. Il n'a qu'un mois pour tout créer, c'est peu, et va demander l'assistance de Mike McCracken. Pour commencer, ils vont donc créer 13 squelettes humains pour la scène de la piscine dans la séquence finale où Diane Freeling, la maman interprétée par Jovette Williams, va se retrouver plongée. Ces squelettes seront en fait de vrais squelettes assemblés, cela coûte bien moins cher que de tout refaire en plastique. Ils sortent de leur cercueil et semblent vouloir étreindre la pauvre maman. Et nous allons donc faire une petite pause ici pour parler de la malédiction. La série des films Poltergeist est pour beaucoup victime d'une malédiction du fait que plusieurs acteurs des trois films de la saga vont décéder souvent trop jeunes ou juste après avoir tourné dans un des films. Pour certains, ce serait justement dû au fait d'avoir utilisé ces vrais squelettes pour la scène de la piscine. Selon certaines sources ou légendes hollywoodiennes, l'ambiance sur le plateau, par exemple, fut telle qu'un exorcisme y aurait été pratiqué, par exemple. «
Dominique Dune, hein, la jeune sœur Freeling, hein, va mourir juste après la sortie du premier film, assassinée à seulement 22 ans par son petit ami John Thomas Sweeney parce qu'elle vient de rompre avec lui. Il va l'étrangler dans l'allée de sa maison le 30 octobre 1982. Vraiment odieux, tu vas finir par me rendre dingue. La jeune Heather O'Rourke, hein, qui incarne Carol Ann, meurt pendant le tournage du troisième volet d'une infection intestinale. Le film lui est d'ailleurs dédié. Elle était atteinte de la maladie de Crohn. Peu de temps après la fin du tournage du second volet, Julianne Beck, qui interprète le terrifiant révérend Kane, meurt à 60 ans d'un cancer de l'estomac. De même, Will Sampson, l'indien du second volet, meurt à seulement 53 ans d'une insuffisance rénale post-opératoire le 3 juin 1987. De plus, l'acteur qui interprète Robbie Freeling dans le premier film, le grand frère de Carol Ann, a manqué de finir étouffé lors de la scène où le clown essaie de l'étrangler et de s'en prendre à lui parce que le mécanisme marchait mal. Heureusement que Steven Spielberg était à côté pour le sauver in extremis. Bref, des choses qui alimentent beaucoup les fans du paranormal. Fin de la parenthèse, revenons donc à notre film et la fameuse scène de la piscine. Entourée de grosses lampes de plateau, Jovette Williams a peur d'être électrocutée et le réalisateur va venir avec elle dans la piscine pour la rassurer et lui dire qu'au final, s'ils doivent mourir, ils mourront tous les deux. Les squelettes seront enduits de teintes vertes et marron et cheveux, yeux et dents artificielles seront ajoutés ainsi que la possibilité de mouvoir légèrement ces derniers. Spielberg avait trouvé en effet que les squelettes de son film Les Aventuriers de l'Arche Perdue étaient un petit peu trop statiques. Reardon crée aussi la superbe créature qui apparaît avec sa bouche qui s'ouvre de façon monstrueuse devant Papa Freeling, sorte de visage semi-humain aux cheveux hirsutes. La créature fut changée par celle que l'on voit dans le film, ILM se trouvant dans l'impossibilité de créer les rayons qui devaient sortir des yeux de la bête. Une des scènes que Reardon réussira le mieux est celle bien sûr du steak qui avance tout seul sur la table de la cuisine et qui va se putréfier devant l'un des scientifiques. C'est un steak mécanique entouré de matériaux synthétiques. Le parapsychologue va dans la salle de bain et après s'être aspergé le visage d'un peu d'eau, il voit sa peau se craqueler et avec ses mains, il va en enlever et la peau et les muscles. C'est une scène très intense du film et ce sont les mains mêmes de Steven Spielberg qui enlèvent les bouts de peau de visage. Le casting sur les films produits ou réalisés par Steven Spielberg est souvent choisi avec soin. Il travaille souvent d'ailleurs à passer beaucoup de temps à trouver les acteurs qu'il faut, pas obligatoirement les acteurs les plus connus, mais ceux qu'il faut pour l'histoire. Pour le père, Steve Freeling, c'est Greg T. Nelson qui est choisi en père classique de classe moyenne. Il est très bon comme à son habitude, même s'il va jouer, après ce film-là, beaucoup de méchants, et c'est ici son premier grand rôle. Je sais comment tu es arrivé à dormir dans un tremblement de terre. Tu parles, j'ai eu plein de dégâts dans ma chambre. Il y a le chef de famille, mais impuissant face aux forces qui attaquent sa famille. Quand les scientifiques lui racontent avoir vu un objet bouger de quelques centimètres en 7 heures, son visage en dit long avant d'ouvrir la porte où tout est en bordel et bouge tout seul dans la chambre des enfants. Mais en le passant en accéléré, on a vu la voiture bouger. C'est fantastique. Un grand moment très drôle. Suite à Poltergeist, on le verra dans le Osterman Weekend de Sam Peckinpah, Poltergeist 2 bien sûr de Brian Gibson, le salopard de service dans Action Jackson de Craig Baxley dont j'avais parlé, Créature de Stuart Gillard, The Skulls de Rob Cohen, et ce sera la voix de Bob Parr ou Monsieur Indestructible dans Les Indestructibles 1 et 2 de Brad Bird. Et c'est ici l'immense William Sabatier qui va faire sa voix. Pour
la mère, c'est Jobette Williams donc qui va être choisie, et c'est de tout le casting celle qui est absolument la plus convaincante. Elle a travaillé à la télévision très longtemps et se révèle dans une scène de nu importante dans le film Kramer contre Kramer de Robert Benton, où elle est l'avocate de Dustin Hoffman et se retrouve en tenue d'Ève devant l'enfant de ce dernier. Elle possède ici un registre émotionnel d'actrice des plus admirables, en mère, prête à tout pour sauver sa fille et sa famille, et fait montre d'une force admirable quand elle sent l'esprit de sa fille la traverser. Rôle passionnant et aux défis physiques plus que nombreux, Jobette y est absolument très très bonne, et on la verra dans Les Chiens de guerre de Jean Irvine, Les copains à bord de Laurence Kasdan, Le jour d'après de Nicolas Meyer, Poltergeist 2 bien sûr de Brian Gibson ou Voyateur de Laurence Kasdan. C'est Francine Lainé qui la double, une excellente comédienne de doublage. Dans le rôle absolument génial du Dr Lesh, c'est Béatrice Straight, actrice au charisme indéniable, vue dans Au risque de se perdre de Fred Zinnemann, Network de Sidney Lumet, dont elle va obtenir l'Oscar du meilleur second rôle, la formule de John G. Avildsen et pas mal d'apparitions télévisées. Pour déterminer si votre maison est réellement hantée, c'est assez difficile. Paul Emmanuel, une grande actrice de doublage, officie sur sa voix comme elle l'avait fait sur Lois Maxwell en Money Penny dans les James Bond, Shelley Winters, Elizabeth Taylor et tant d'autres. Nous avons essayé de garder une vie plus ou moins normale. Bien sûr, nous n'avons pas beaucoup dormi. Elle est ici une parapsychologue qui a bien sûr les mains complètement liées. Elle ne peut rien faire contre ses apparitions. Et alors là, j'aime encore plus. Dana Freeling, donc la grande sœur de la famille, est interprétée par Dominique Dunne. Quelques interprétations télévisées et un seul film, puisqu'elle sera malheureusement assassinée juste après. À l'automne 1981, après avoir terminé Poltergeist, elle rencontre John Thomas Sweeney, chef cuisinier de Los Angeles, qui travaille au célèbre restaurant Ma Maison. Après une relation courte et orageuse, Sweeney l'agresse à son domicile et essaye de l'étrangler une première fois le 26 septembre 1982. Dominique Dunne rompt alors avec lui et il l'agresse une nouvelle fois le 30 octobre de la même année chez elle au cours d'une violente discussion et l'étrangle. La police locale, alertée par David Parker, avec qui Dominique Dunne répétait un rôle, n'intervient pas en disant que le domicile de l'actrice n'était pas dans sa juridiction. Elle va mourir au centre médical Cedar Sinai de Los Angeles quelques jours plus tard sans avoir repris connaissance alors qu'elle allait fêter ses 23 ans. C'est Amélie Morin qui officie ici sur sa voix. Caroline Freeling est la seule des personnages qui va apparaître dans les trois films avec Zelda Rubinstein. Elle a été interprétée par la très très bonne Heather O'Rourke. Steven Spielberg sait choisir les enfants qui vont travailler sur ses films et encore une fois ici, il ne se trompe pas. Découverte durant l'été 1980 par Steven Spielberg alors qu'elle déjeune au studio MGM seule pendant que sa mère Kathleen est partie accompagner sa sœur Tammy passer un casting pour un rôle de danseuse dans le film Tout l'or du ciel, Spielberg, qui prépare alors le film E.T., cherche également un enfant pour tenir le rôle de Caroline Freeling dans sa future production Poltergeist, rôle prévu au départ pour sa filleule Drew Barrymore, amie d'Heather, et qui sera finalement révélée en tant que Gertie dans E.T. Eh bien, de qui parlais-tu? Qui était ici? Les gens de la télévision. Mais à part ces trois films, Poltergeist 1, 2 et 3, on la verra à la télévision dans L'île fantastique, Les jours heureux, Chips ou Matthew Stone. C'est Jackie Berger, grande actrice de doublage aussi, notamment sur des dessins animés, qui officie et interprète sa voix. Pour nous, c'est la paix. La médium du film, Tangina Baron, s'est excellemment interprétée par Zelda Rubinstein, que l'on verra aussi dans la trilogie entière. Notons Tootsie de Sidney Pollack, Française de Graham Clifford, 16 bougies pour Sam de John Hughes, Poltergeist 2 bien sûr de Brian Gibson et le 3 donc de Gary Sherman, et c'est l'immense et talentueuse Monique Thierry qui fait sa voix, connue pour doubler Goldie Hawn, Kathy Bates ou Sally Field. Dr Lesh, c'est mon écriture, cette voix-là surgit du vide. Ryan est joué par Richard Lawson, que l'on a vu dans L'inspecteur Harry de Don Siegel, quelques films de la Blaxploitation, Audrey Rose de Robert Wise, Comme un homme libre de Michael Mann, son premier téléfilm, Les rues de feu de Walter Hill et le docteur Ben Taylor dans la série V. Il est un petit peu dommage de voir que pour un scientifique, il ne peut s'empêcher d'écouter de la musique avec son Walkman pendant qu'il se passe des choses et qu'il ne voit rien à la télévision. C'est Tola Kukui qui fait sa voix. Venez par ici, les câbles sont coupés depuis.
Ah ben, il va falloir qu'on y jette un coup d'œil. Et les autres maisons aussi. Non, non. James Caan, donc l'entrepreneur véreux par qui le mal va arriver, est un acteur vu dans de nombreux grands films, comme Les Hommes du Président d'Alan G. Pakula, Capricorn One de Peter Yams, Le Syndrome Chinois de Jim Bridges, Frances de Graham Clifford, Frank dans Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon et sa suite par Ken Widerhorn, L'Invasion vient de Mars de Tobey Hooper ou Wall Street d'Oliver Stone et plein d'autres rôles. C'est un entrepreneur qui a donc déplacé le cimetière mais uniquement les dalles et les stèles, mais absolument pas les cercueils. Oh, j'aime ce dérangement. Je t'aime, beauté. À noter en ouvrier dans la piscine ce cher Sonny Landham que l'on verra dans Le Predator de McTiernan, 48 heures et sans retour de Walter Hill, Action Jackson de Craig Baxley ou Haute Sécurité de John Flynn. La musique du film est composée par l'immense compositeur de génie, j'ai nommé Jerry Goldsmith. Il va écrire une musique et surtout un thème, celui de Carol Anne, qui va rester tout au long du film. Le reste est une vraie musique d'épouvante dont seul ce compositeur sait les créer. En 1982, le bonhomme va quand même nous composer La nuit de l'évasion de Ded Bertman, Brisby, le secret de Nîmes de Don Bluth, à Armes égales de John Frankenheimer, et surtout le Rambo de Ted Kotcheff, son chef-d'œuvre, en plus de ce Poltergeist. Elle vient de passer à travers moi. Mon Dieu. Impressionnant. Un disque sort à l'époque chez Polygram et qui commence en douceur sur le thème de Carol Anne, l'âme du film donc, une mélodie dont seul un Goldschmidt peut avoir le secret et chantée par un cœur d'enfant, mais dont les rires à la fin du morceau nous rappellent que ce que nous écoutons va vite déraper. La musique finira bien sûr par déchaîner l'horreur avec une violence bienvenue, comme le compositeur l'a si souvent fait sur d'autres œuvres comme Alien. Night Visitor, Escape from Suburbia nous plaquent au sol par leur force et The Light nous laisse respirer avant que l'horreur reprenne. Night of the Beast et Twisted Abduction proposent une violence lyrique et furieuse, angoissante à souhait et dont le mysticisme du film passe ici par la musique. Orchestré par Herbert Spencer, Fred Steiner et Arthur Morton, un mixage de Bruce Botnick et un London Symphony Orchestra au cordeau, la musique de Poltergeist est fondamentale par son contraste splendide. Dépêche-toi, dépêche-toi. La musique va ressortir chez Rhino, Filmscore Monthly en double CD, en version complète, plus l'album d'époque remasterisé, et Water Tower. Âgé de 4827 ans, le fantôme des musiques passées, Bruno Cominal, en parle dans son très bon livre sur les musiques de films et que j'avais oublié de mentionner dans la vidéo sur Blue Velvet, erreur réparée. L'énergie dont Steven Spielberg fait preuve cette année-là est absolument démentielle. Deux grands films et deux énormes succès dans deux styles vraiment différents. L'épouvante ici fonctionne à merveille avec une photographie en plus du grand Matthew F. Leonetti, lumineuse à souhait. Tobey Hooper fait donc ici plus office de réalisateur de seconde équipe et après l'enquête de la guilde des réalisateurs, la MGM va perdre le procès et des excuses publiques par Steven Spielberg et la MGM seront faites. Via des journaux bien sûr, des amendes seront payées et le nom de Tobey Hooper en très gros sur les affiches et publicités seront obligatoires. Malgré cela, rien ne transparaît dans le film, un petit miracle en soi, et accouche d'un grand film d'épouvante, une œuvre puissante et spectaculaire. Du coup, ce combat entre deux réalisateurs au ton bien différent mais qui se respectent, accouche d'un film dont l'osmose parfaite se voit à chaque instant, la beauté de l'un et la cruauté de l'autre, visuellement bien entendu. Le thème des maisons hantées est ici modernisé et balaye les Amityville ou diffère de l'hôtel Overlook du Shining de Stanley Kubrick. Les Innocents de Jack Clayton et La Maison du Diable de Robert Wise sont bien plus proches de Poltergeist que l'on pourrait le croire d'un premier abord. Un cadre banal pour une histoire extraordinaire, Poltergeist est un film qui reste dans la mémoire par ses acteurs passionnants et ses effets tout aussi forts.
Mais c'est surtout les terreurs enfantines, familiales qui sont ici poussées à leur extrême et amènent en chacun de nous une vision de cauchemar que l'on a tous eu à un moment ou à un autre dans notre vie. Le film tape dans le mille, nous terrifie et nous amuse sur le fond et la forme, un vrai chef-d'œuvre unique que les second et troisième opus ne toucheront même pas du doigt. Le premier conserve la famille d'origine, hein, mais met en scène une nouvelle explication concernant les origines de ces événements paranormaux en présentant le personnage d'Henry Kane, le leader d'une secte secrète. L'idée originale des âmes du cimetière perturbées par le développement du logement est ainsi modifiée dans ce deuxième opus. Le cimetière est maintenant présenté comme étant construit au-dessus d'une caverne d'ailleurs. Caroline sera donc la seule membre de la famille originale présente dans le Poltergeist 3 qui trouve refuge chez sa tante et son oncle dans un gratte-ciel de Chicago. Kane la suit et utilise des miroirs décoratifs omniprésents de l'immeuble comme un portail vers le plan terrestre. En 2008, la MGM a annoncé vouloir réaliser un remake. Eh bien, bien sûr, ce sera Gilles Kenan en 2015, hein, que l'on a déjà oublié, qui a fait ce film. La novélisation est de James Caan et sera éditée chez J'ai lu à l'époque. Le film monte crescendo dans l'horreur et la personnalité des deux réalisateurs va exploser dans le final. La télévision, un membre de la famille dans chaque maison du monde, fait office ici de portail dimensionnel vers l'horreur, comme si les réalisateurs comprenaient déjà l'importance de celle-ci et le fait qu'elle divise plus les familles en les empêchant de parler à table que de les réunir même au travers du visionnage d'un film. Chaque spectateur est touché par le film donc et se sert de nos peurs pour nous en foutre plein la gueule. Un pur chef-d'œuvre, maîtrisé comme un livre de Stephen King qu'un épisode de la quatrième dimension. Vous quittez Cuesta Verde, vous nous manquerez. Une grande œuvre fantastique, spectaculaire, chaleureuse, intimiste, féroce et angoissante. Je mets au film bien sûr un 7 sur 6 et je descends couper la tronçonneuse, ce putain d'arbre, et cramer cette poupée de clown qui me regarde de travers. Bordel, j'ai la trouille. Voilà. Alors, c'est peut-être le premier Spielberg dont je parle, je vais bien sûr parler du reste de sa filmographie, mais voilà, j'attends vos commentaires, j'attends bien sûr qu'on en débatte, que je puisse vous répondre, j'espère que vous aimez le film autant que moi, c'est pour moi un pur chef-d'œuvre. Je le trouve absolument maîtrisé de bout en bout, il se regarde encore, les effets sont juste hallucinants et les acteurs sont impeccables. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo, non pas comme ça, je parle de visionnage, et je vous dis à très bientôt pour du gros lourd. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, c'est gratos. À bientôt, bye bye.